Le secrétaire national d'Europe Écologie égratigne les pouvoirs publics. Il dénonce l'immobilisme des différents gouvernements. Indécent, le terme est peut-être un peu fort, mais pas très loin. Parce que ça fait des années que le gouvernement ne fait rien pour essayer d'anticiper la crise à venir. Ça fait des années qu'on sait que l'automobile est dans une logique qui rapproche et qui est très proche de celle de la sidérurgie. Ça fait des années qu'on dit au gouvernement arrêtez de donner de l'argent aux actionnaires et arrêtez de faire ce financement sans conditionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, on donne de l'argent sans anticiper.